Courtisé dans le golf et surveillé par des clubs anglais, Yacine Brahimi, révélation du mondial avec l'Algérie, se rapproche du FC Porto. Si rien n'est encore fait, les discussions sont en bonne voie. Formé à Rennes, le joueur de 24 ans évolue à Grenade depuis l'été 2012. La saison dernière, il a inscrit 3 buts en 35 matchs de Liga. L'Algérien Rafik Halich doit s'engager après avoir passé sa visite médicale avec le Qatar SC, qui a annoncé la nouvelle lundi. Le défenseur de 27 ans qui a participé à la Coupe du Monde avec les Fenech quitte donc le Portugal. Il sera entraîné par l'ancien coach de Saint-Etienne, Ivan Hazek, présenté vendredi. Courtisé par quelques grands clubs européens, Raïs Sembouli, auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle avec la sélection algérienne, pourrait finalement filer du côté du championnat de Turquie et rejoindre son ancien sélectionneur Vahid Halilhodžić. En effet, selon certains rapports de médias bulgares parus hier, le portier du CSKA Sofia est tout proche de signer au profit du Trabzonspor. Son agent s'occupe des derniers détails et l'annonce de l'officialisation de ce transfert ne devrait pas tarder à se faire. José Mourinho suit le latéral gauche des Verts depuis un bon moment. Auteur d'une très belle Coupe du Monde avec les Fenech, Fawzi Boulam est très demandé par plusieurs clubs. Toutefois, sous contrat jusqu'en 2018, Naples ne se séparera pas de son international algérien. Mais Chelsea continue à suivre le joueur et noter ses caractéristiques pour espérer éventuellement le recruter cet été.